Ouais, je dis, ça se tente, hein. Oui, ça se tente, un jeu qui est un jeu d'aventure. C'est déjà pas trop ma catégorie. Soit, un jeu qui est un point and click, carrément. Là, on n'est plus du tout dans mes catégories. Et. Soit, mais un jeu avec des chats. Comment vous voulez que je dise non? Et c'est comme ça qu'on va découvrir la preview aujourd'hui de ce point and click qui s'appelle Inspecteur Waffles. Oui, Inspecteur Gaufre, c'est un chat. Et je me demande vraiment où il va nous emmener. Ah, désolé, j'ai vraiment oublié de vous prévenir. Oui, c'est rétro 8-bit, hein. Donc, oubliez la 3D, oubliez le ray tracing, oubliez tout ce qui est trop sophistiqué. On va y aller en mode rétro. Ça va être dur de pas se marrer quand même. J'imagine trop le sport. Oui, vous imaginez une pelote de laine de plusieurs mètres. Et des chats furieux autour. Aïe, aïe, aïe. Avec des petits t-shirts quand même pour identifier les équipes, c'est important. J'aimerais bien accéder à mon index, à mon inventaire.
Y a même pas les Stray Cats, c'est nul. Remboursé, bouh! Ah voilà mon inventaire. Je peux pas inspecter, zut. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour dans tout ce petit bordel. Ah, ma théorie, les amis, est-ce que le lavabo est fonctionnel? Ah, oh, on nous a menti. Une anecdote plus tard. Oui, non, mais il y a des trucs étranges des fois que je ne comprends pas bien, en particulier chez l'humain. Franchement, ce que tu veux pour te faire plaisir. Comment pourrais-je extérieur? Il manque une poignée, donc il va me falloir trouver une poignée dans toute cette bouillie de pixels. La dame, on n'est pas arrivé, les amis, je vous le dis. Mais à défaut d'avoir une poignée, j'y pensais soudainement. Ah non, c'était pas celui-là de menu que je voulais. Je suis désolé d'avoir eu une idée. Plus jamais j'en aurai dans un point and click, promis. Je suis pas à prendre celle-là de poignée. C'est mince, les amis, c'est très mince. Le vase, on a fait, la statue, on a fait. C'est merveilleuse chose. Graphique et pixelisé tout de même. Hein. On les a faites. Extérieur, salle de bain, on l'a faite. Rien de flagrant, quoi. Qu'est-ce qui pourrait me servir de poignée dans cette piole? Myogrit, oui. Il dessine des pomme avec des oreilles pointues. Une cachette. Une chaquette. Oui, mais quel est ce livre, bonhomme? Catsby le magnifique. Ouais, mais c'est pas une poignée, bonhomme. Alors, je boufferais bien un peu de sterbe. Ah, ça me reprend, désolé. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier dans tout ce Bronx? On a vu la photo, on a vu la hi-fi, on a tout vu. On a pointé, on a cliqué. On va quitter. On va quitter. La nana, je vais ressortir. Ah, oh, c'est pas le bon côté. J'ai un problème pour m'orienter, je crois. On a tout fait de toute manière. Ah, le carreau. La roue cassée me rend perplexe, hein. Je me demande ce qu'il veut que je fasse avec. C'est assez chatanique. On y va. On va ressortir, il n'y a que ça à faire. Il faut juste pas que je me trompe de côté. Ça, c'est closed. Les photos, je crois pas qu'il y en ait grand-chose à faire. Oui, voilà. Salle de bain, sortir. J'avais sortir tout à l'heure.
extérieur. Oui, c'est compliqué pour moi les point and click. Surtout quand ils ont des bouillasses de pixels de cette taille, quoi. Est-ce que j'irai fouiller dans la poubelle? Oui. Un tournevis cassé, une serrure explosée, enfin une poignée manquante. Que croyez-vous qu'il me fallait pour être plus heureux, franchement? Let's go back. Ah, je m'en doutais bien, mon ami, mais regarde. Regarde cet équipement dispendieux. Ça rentre parfaitement. C'était exactement ce que disait. Ah, on va être obligé de faire des trucs à ce stream après, ça va être horrible. Ouvre-moi cette main en porte. What? Mais attends, regarde, tu as un donut. Une roue de skateboard, d'accord. Je suis trop marron là. C'est pas pour rien que je suis inspecteur. C'est pas faux. Il manque un livre. Plop. Et regardez, il manquerait pas un livre là? Alors on peut pas se balader plus loin, je présume. Non, de toute façon, on pouvait pas aller ailleurs. Alors, c'est très très drôle de replonger dans du point and click. Hein. J'avoue que j'avais pas fait ça depuis. Ouf, j'ai même pas le titre, mais c'est. Ça se date en décennies, je crois. Je me demande si c'était pas un LucasArts le dernier point and click que j'ai fait, quoi. Mais c'est vous dire. Bureau secret, yes. Ordinateur. Fluffy cachait toutes ses photos de chatte. C'est obligé, on ne peut pas passer à côté et ne pas la faire. On va inspecter le piano d'abord. Bah oui. Il y a un truc dedans, mais quel est ce poil-là, dites-moi. Un poil de chien. Bah oui. C'est ce que je disais précédemment. Il y a les photos en gros plan de. Bah voilà, c'est foutu. Bah aussi, il y a quand même un problème, bonhomme. Parce que si t'es à l'intérieur, hein, je te fais pas. Je t'apprends pas ton métier, mais si t'es à l'intérieur. Quelqu'un est poussé à l'extérieur ou qui saute même volontairement. Le verre à l'intérieur, il n'y en aura pas des masses normalement. Oui, non, mais toujours Spockien, hein, monsieur K. Toujours Spockien. Je peux aller par là-bas? Oui, la bibliothèque. Ah, mais je suis revenu là, zut. J'ai beaucoup de mal à m'orienter dans ce jeu, c'est terrible. La salle de binge. Est-ce que j'aurai enfin un robinet utilisable? Oui, allons informer Patches. Très important de prononcer ES. Sinon, ça marche moins bien, quoi. Patch. Ça fait un peu patch. Hey, Patches! J'ai des nouvelles pour toi.
D'accord. Et je pourrais crier objection à un moment? Je vais y aller soft, c'est un inspecteur, je voudrais pas que. Oui, mais nous, au CIB, Cats in Black, on n'a aucun humour, désolé. Oui, je suis allé dans aide. Et donc j'ai un mot de maman. Maman. Et du coup, on va voir ce qu'elle nous dit. Je vais appeler maman. Maman? Oui, c'est maman. Il me semble qu'elle répond pas. Appeler son gosse Waffle quand même, faut être méchant. Mais bon, c'est vrai, les vrais noms de chat. À bientôt. Je suis dame de fucked up. Combien de temps on a fait en enregistrement? Oh my god, 20 minutes. Vous savez ce qui va se passer, les amis? Je crois que je vous en ai fait voir beaucoup sur les aventures de l'inspecteur Gaufre. Et du coup, bah, vous allez pouvoir vous-même vous pencher sur ces différents cas catastrophiques qui vont vous permettre de replonger dans du bon vieux jeu point and click fin 80s. Si vous avez la nostalgie, ça peut être sympa. Si vous aimez les chats, ça peut être sympa. Niveau humour, c'est un petit peu gentil, on va dire. Donc du coup, je ne sais pas. Il faudrait voir plus loin si le jeu s'épice un petit peu et qu'il y a vraiment des conneries délirantes. Ça serait agréable parce que là, ça reste quand même dans un standard assez correct et donc très restreint niveau imagination. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec les playlists habituelles. Marrant. Je vais jouer avec cette pelote de laine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça en fait des rimes.